Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui pour changer, on va pas faire du diamond painting, on va faire du scrap. Voilà, je vais... Oh, ça y est, mes mères. Je vais faire une page de scrap avec comme modèle une photo d'école de mon petit-fils, voilà. Dans la semaine, je ferai l'autre photo d'école de ma petite fille. Donc aujourd'hui, je vais faire mon petit-fils. Donc c'est les photos de cette année. Alors, je vais prendre du papier. Alors, je vais prendre une feuille que je vais choisir. Je n'ai pas encore choisi, mais dans ce bloc. Alors, c'est un bloc Christmas, oui. Mais il y a des feuilles qui sont dedans que j'aime beaucoup, qui ne sont pas vraiment sur le thème de Noël. Donc je vais prendre dans ce bloc-là. Ensuite, j'ai pris des tampons. J'ai fait des petites étiquettes comme ça, au cas où j'en aurais besoin. J'ai des embellissements en bois, voilà. J'ai du cardstock de différentes couleurs. J'ai pris plusieurs couleurs parce que là, je suis en bas. Donc, j'ai pris plusieurs couleurs. Je verrai ce que j'ai besoin. Les alphabets, comme ça. Et ensuite... J'ai pris aussi celui-là. Voilà. Donc, je vais voir ce que je vais vraiment utiliser. Ah oui, et j'ai pris celui-là. Et j'ai pris aussi mon bloc de... Mon cahier bloc, comme ça, de papier noir et blanc. Donc... Je vais voir d'abord la feuille que je vais choisir. Alors, où j'ai mis la photo. Est-ce qu'il y en a une qui me plaît bien de page? Alors, avant de l'enlever, il faut que je vois. Parce que j'aime bien celle-ci. Vous voyez, elle est structurée, elle a des... On dirait qu'il y a du papier déchiré. Bon, même si on ne voit pas le mot « enjoy », c'est rien. Je vais m'arranger pour peut-être le cacher. Et cette page-là, je l'aime bien. Donc, je vais prendre celle-là déjà. Je vais regarder s'il y en a une autre qui me plairait. Donc ça, c'est du rose. Celle-ci, peut-être. J'aime bien aussi celle-ci. Voilà. Je vais la mettre de côté. Après, je regarde. Et j'aime bien celle-ci. Voilà, j'aime bien aussi celle-ci. Voilà, on verra par la suite.
Bon, pour l'instant, je vais vous mettre sur le bras pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais faire. Et on va travailler sur la photo. À tout de suite. Alors voilà, on va déjà découper le pourtour de la photo pour la remettre bien droite. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre une feuille noire. Je vais regarder si j'ai une chute. Non. Donc ça, c'est pour mater la photo. Alors, mater la photo, c'est faire un tout petit cadre autour. Hein. Voilà, d'abord, on va faire ça, mater la photo. Donc là, je mets du double face hein, pour ça. Voilà. Donc, vous voyez, il faut que je cache le mot parce que du coup, il va être. Je mette n'importe où, on le verra pas. Mettre celle-là. Donc. Voilà. Thank you.
j'ai terminé la page. Ouais, bon, j'ai fait assez simple. Hein. J'ai pas rajouté beaucoup de papier, juste là. Alors, je vais remonter un peu pour que vous voyez mieux. Vous voyez, donc ici j'ai remis la date, comme ça je me rappelle de l'année. Mon petit héros, donc Matisse. Il a des petits sentiments en bois, donc souvenirs à conserver, des images du bonheur, souvenirs précieux. Voilà. J'aurais pu vous dire où je les ai eus, à quelle boutique, ces embellissements en bois, parce que je les avais achetés lors d'un salon de loisirs créatifs, et je ne sais même plus lequel, voilà. Et du coup, je ne sais plus quelle boutique. Je suis désolée, j'aurais bien voulu vous le dire, mais là, trou de mémoire complet. Si j'arrive à m'en rappeler, je vous le dirai, mais bon, là, je ne sais plus du tout. Donc voilà. Allez, on va changer de vue pour vous montrer mieux. Donc voilà la page. Voilà, toute simple. Voilà, ben n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc maintenant, il me restera celle de sa sœur à faire. Je la ferai dans la semaine. Et là, pareil, quand je trouverai... là, je ne vais pas mettre en classeur, je vais mettre en cadre. Donc, quand j'aurai des cadres, ben, je mettrai dans le cadre. Donc, je ne sais pas quand, mais bon, on verra. Pardon. Donc, voilà. Vous voyez, bon, c'est quand même assez simple. Hein. Mais moi, j'aime bien. J'aime pas que ce soit trop chargé. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre d'infos, en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Hein, je ferai mon possible pour y répondre, bien sûr, comme d'habitude. Et là, ben, on se retrouve très rapidement pour nouvelles vidéos. Donc, soit diamond painting, soit scrap, soit on va voir. La prochaine, ce sera certainement Diamond Painting. Voilà. Et je ferai peut-être ce week-end donc la photo de sa sœur, de Delizia. Je ferai peut-être dans les mêmes tons, je ne sais pas. Je verrai. On verra. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Bye bye.